Bonjour à vous, mes chers amis. Merci d'être avec nous sur Facebook cet après-midi. On va prier ensemble le chapelet de la miséricorde, prendre un temps avec Jésus dans le Saint-Sacrement, justement, pour se laisser attirer par lui, lui qui est l'amour, lui qui donne sa vie pour nous. Et il nous invite aussi à donner notre vie aussi pour les autres. Accueillons son amour et offrons aussi nos vies pour lui, pour les autres. Seigneur, ô mon Dieu et mon tout, vite à mon aide. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et mets en eux le feu de ton amour. Viens, Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité partout présent, remplissant tout. Trésor des biens, dispensateur de vie, viens, Dieu bon, habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve-nous. Nous t'adorons, ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises qui sont par toute la terre, et nous te bénissons d'avoir acheté le monde par ta sainte croix. Béni soit la sainte et indivisible qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Offrons ce chapelet pour toutes les personnes qui sont mourantes, qui sont malades dans les hôpitaux. Prions pour toutes les personnes qui n'osent pas se tourner vers Dieu, pour toutes les personnes qui ont rejeté l'amour de Dieu. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés, et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé,
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Pour cette dernière dizaine, offrons nos intentions de prière personnelles, nos intentions aussi au nom de l'Église. Alors, si vous avez des intentions de prière, je vous invite à nous les écrire sur Facebook maintenant. Et ici aussi, si vous avez des intentions de prière, on peut les nommer. Pour les groupes de prière, pour nos familles, pour la santé de Marielle et de Richard, pour Régis, Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Jésus, j'ai confiance en toi.
confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Frère André, priez pour nous. Sainte Faustine, priez pour nous. Saint Curé d'Ars, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Esprit du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va poursuivre avec un temps d'adoration, mais aussi je tiens à vous mentionner que demain, exceptionnellement, demain samedi à 3h, il y aura le chapelet de la miséricorde avec l'adoration, comme on le fait présentement. Et il y aura aussi la messe à 3h30, demain après-midi, vu que c'est le 13 juin, la fête de Saint-Antoine de Padoue. Alors, on ne peut pas mettre cette fête franciscaine-là de côté. En tout cas, moi, je ne peux pas, comme étant un bon franciscain dans mon cœur. Alors, demain, il y aura la messe de Saint-Antoine de Padoue. Alors, parlez-en à vos amis, que les gens puissent venir nous rejoindre sur Facebook demain, à la même heure, pour la fête de Saint-Antoine de Padoue. Bonne adoration, et à 3h30, dans une quinzaine de minutes, on va voir la messe.
Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration en ce mercredi, en ce vendredi, pardon. Écoute Seigneur, réponds-moi, sauve ô mon Dieu ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, on vient s'approcher de toi. On vient communier à toi. À travers cette Eucharistie, à travers cette messe, on vient écouter ta parole. On vient communier à ton corps, à ton sang, de façon spirituelle pour ceux qui sont à la maison. Bien sûr, mais on vient communier à toi, à ta présence. Alors Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute de ta parole et on te demande pardon pour toutes les fois où on n'est pas à l'écoute de ce que tu veux pour nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait, « Que fais-tu là, Élie? » Il répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et il cherche à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Repars vers Damas, par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Azaël comme roi de Syrie. Puis, tu consacreras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te succéder. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face.
N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un seul de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai été attiré par la prière d'ouverture aujourd'hui de manière toute particulière. Que nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vrais joies. Que notre cœur s'établisse fermement où se trouvent les vrais joies. Que mon cœur soit établi sur l'essentiel, sur Dieu, sur l'amour de Dieu. Que mon cœur soit établi, soit solide, soit tout attaché, enraciné dans le Seigneur. Enraciné dans le Seigneur. On voit dans la première lecture, puis c'est ce qui fait suite à ce que je viens de lire, de s'établir fermement là où se trouvent les vraies joies. On voit le prophète Élie, Dieu l'invite à se retirer dans la montagne pour aller prier, pour aller rencontrer le Seigneur dans un face-à-face, dans un cœur-à-cœur avec Dieu. Dieu passe, Élie voit un ouragan, Dieu n'est pas dans l'ouragan. Il y a un tremblement de terre, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a un feu, Dieu n'est pas dans le feu. Dieu passe dans le murmure d'une brise légère. Dans le murmure d'une brise légère, dans le silence. Pour entendre le murmure d'une brise légère, il faut le silence. Et il faut s'arrêter. Prendre le temps de s'arrêter. C'est l'invitation que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Fais comme lui. Prends le temps de t'arrêter.
Arrêtez, ce n'est pas juste physique. C'est aussi et surtout intérieurement. Arrêtez mon cœur, arrêtez mes pensées. Dis-là, je prends un temps avec toi, Jésus. Dans un face-à-face, dans un cœur-à-cœur avec toi, Jésus. Mais souvent, on est comme Adam et Ève. Parce que, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le murmure d'une brise légère. Adam et Ève, dès qu'ils ont fait le fameux péché d'origine, le péché originel, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont dans le jardin, et là, Dieu cherche Adam et Ève. Adam, Ève, où êtes-vous? Et là, et c'est écrit que Dieu passe dans une brise légère. Vous allez voir dans la Genèse, chapitre 2 ou 3. Vous allez voir dans un vent léger ou une brise légère. C'est les mêmes termes qui sont employés là. Adam et Ève ont peur. C'est dit comme ça. Ils ont peur. Ils vont se cacher parce qu'ils sont nus. Moi, j'aurais bien plus peur d'un ouragan ou d'un très gros tremblement de terre. Les autres qui ont peur d'une brise légère. Mais des fois, on a peut-être peur aussi de la brise légère. On a peur de la tranquillité. On a peur de s'arrêter. On a peur de faire silence pour écouter qu'est-ce que le bon Dieu a à nous dire. Et souvent, on pense toujours que le bon Dieu va nous juger, va nous... Ah, regarde ce que tu fais de pas correct. Ah, regarde! Non. Prends le temps d'écouter. Qu'est-ce que le bon Dieu a à te dire? Qu'est-ce que ton papa d'amour, qu'est-ce que notre papa d'amour a à nous dire? Que des mots d'amour. Que des mots d'encouragement. Si le bon Dieu nous invite à une conversion, à changer notre vie, à changer un trait de caractère ou un défaut, il ne le fera pas sous forme de reproche. Il ne nous le fera pas sous forme de reproche. Il va être comme un élan d'être plus généreux, un élan d'être plus charitable, un élan d'être plus chaste, d'avoir moins colère, d'être plus patient. Le bon Dieu agit comme ça, dans la douceur. Pas dans la violence, ni dans l'ouragan, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre. Dans la douceur. Prenons ces quelques semaines de confinement qui nous restent pour goûter à sa présence. Juste t'asseoir, pas dire un chapelet, pas dire quelque chose. Écouter dans le silence. Dans le silence. Tu peux te prendre l'image de la Sainte Face, si tu l'as à la maison. Tu peux te prendre une icône ou une statue de Jésus bon berger. Prends-toi une image, regarde-la et laisse-toi regarder. Et écoute, fais comme il dit. Retire-toi dans la montagne. Alors, se retirer dans la montagne, ça peut aller faire un pique-nique. Ça peut être dans ta chambre aussi, hein? La montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le cœur d'enfant. Retire-toi avec Dieu, écoute. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Essaie de faire ça 10 minutes. 10 minutes par jour. C'est pas beaucoup. Mais on n'est pas habitué à ça. 10 minutes. Juste voir qu'est-ce qui va se passer dans le cœur. C'est ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Prendre un temps d'écoute avec lui, un temps de communion, un temps de cœur à cœur avec lui. Saint Élie, prie pour nous. Sois notre modèle. Les carmes et les carmélites, je termine avec ça, les carmes, les pères carmes et les carmélites, comme Thérèse d'Enfant Jésus, Thérèse d'Avila, leur patron, c'est Élie, le prophète Élie. Il était un ermite retiré dans la montagne, il priait Dieu. Alors, les carmes et les carmélites ont pris ce modèle-là
d'être à l'écoute de la brise légère, de la présence de Dieu qui passe dans le silence. Alors avec eux, avec Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec tous ces saints et saintes qui nous ont précédés, soyons l'écoute de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais offrir la messe pour Boris Savadogo. C'est un enfant de 4 ans, si je me souviens bien. Alors, je prie pour lui, pour le repos de son âme. La messe est offerte par les familles Savadogo, Nikiema et Belsinet. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Prie la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cette eau soumet au vin, le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Puis la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Pour ceux et celles qui veulent suivre la prière eucharistique, je prends la prière eucharistique numéro 4. On ne la fait pas souvent, mais je vais la prendre aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné d'après bon un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur rythme d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort.
Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux hommes, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par ta résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où il allait le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Prenant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez ce en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et
accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, appelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui te présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde ton très bon l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pouvons, avec la création tout entière, enfin libérer du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés ni la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Ressons-nous d'être des invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Antienne de la communion, Seigneur, tu as créé de quoi rassasier le monde entier.
Tu fais produire à la terre le pain et le vin qui réjouit le cœur des hommes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si vous voulez, demain, à la même heure, à 3h, le chapelet de la Miséricorde, adoration, et on aura aussi la messe demain, samedi, pour la fête de Saint-Antoine de Padoue. Alors, s'il y en a qui veulent se joindre à nous, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et la messe dimanche, comme à l'habitude. À bientôt!